Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans « Aviez-vous remarqué ?» Rien de tel qu'un bon classique de l'horreur pour fêter la période la plus effrayante de l'année. Et qui mieux que le bien nommé Halloween de John Carpenter pour l'occasion. On est donc parti pour les petits détails et secrets de ce film culte. Alors on connaît bien sûr le grand méchant de la saga Halloween, Michael Myers, et son sinistre masque blanc dénué d'expression. Mais aviez-vous remarqué à qui ressemblait ce masque ? Non ? Eh bien le masque de Michael Myers est en réalité une réplique du visage de William Shatner, le célèbre Capitaine Kirk de la série Star Trek. À la recherche du visage le plus terrifiant pour son méchant, John Carpenter tomba sur ce masque du visage de l'acteur qu'il peignit en blanc, auquel il enleva les cheveux et refit le contour des yeux. Apparemment, même William Shatner a pris l'astuce plusieurs années plus tard et prit la nouvelle comme un vibrant hommage. Carpenter, en bon maître de l'horreur, connaît également très bien ses classiques. Ainsi, le nom du psychiatre de Michael Myers, le docteur Sam Loomis, est une référence au nom de l'amant de l'actrice Janet Leigh dans un autre classique du frisson, Psychose. Le clin d'œil de Carpenter au film d'Alfred Hitchcock ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque le cinéaste engagea pour le rôle principal la jeune Jamie Lee Curtis, dont c'est le premier film, et qui s'avère être à la ville la propre fille de Janet Leigh. Halloween nous permet aussi de noter que dans cette scène, Tommy et Lindsay regardent le film La Chose d'un autre monde, que l'ami Carpenter remettra 4 ans plus tard avec The Thing, que dans la chambre de Laurie, on peut apercevoir une peinture de James Ensor, un peintre expressionniste belge, connu pour ses portraits de gens portant des masques grotesques, tout comme le tueur Michael Myers, ou enfin que la main du jeune Michael qui s'empare du couteau ici est en fait celle de la productrice du film, Debra Hill, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?